Alors, le CESE s'est posé cette question d'abord parce que c'est un sujet d'actualité. On voit bien les débats qui ont lieu en ce moment sur la loi Asile-Immigration, mais aussi parce que c'est des questions qui ne vont pas disparaître demain, que les migrations vont continuer et finalement, on voulait proposer des choses au long terme et pas seulement pour aujourd'hui. Ce qu'on a voulu faire aussi dans ce contexte un petit peu clivant, dans un débat qui peut parfois être irisé, c'est d'apaiser le débat. On a souhaité faire ça à travers cet avis en remettant l'humain au centre, puisque ça nous paraît essentiel de ne pas parler de chiffres, etc., mais vraiment des personnes dans une optique de respect des droits fondamentaux. Enfin, on voulait éviter la confusion peut-être actuelle entre la politique migratoire et la politique de l'asile. Souvent, on a tendance à utiliser l'asile comme un moyen de pallier l'absence de politique migratoire aujourd'hui en France et en Europe. C'est ce qu'on a voulu éviter à travers cet avis. Il faut déjà savoir que ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont eu un parcours difficile avant d'arriver dans l'Union européenne, qui viennent de pays qui sont parfois en guerre ou en grande crise, parfois traverser des pays terribles comme la Libye ou traverser la Méditerranée, traverser plusieurs pays avant d'arriver jusqu'à leur lieu de destination. Et donc, ces gens qui ont accumulé des obstacles se retrouvent arrivés dans l'Union européenne avec de nouveaux obstacles à gérer. D'une part, par rapport au règlement de Dublin, qui renvoient vers les pays de première entrée le traitement de leur cas, alors que finalement ils peuvent être tentés d'aller dans d'autres pays de l'Union européenne et ensuite arriver dans les États membres, eh bien, des parcours difficiles administrativement pour faire valoir leurs droits de demandeurs d'asile, mais également des difficultés liées à leur santé, à l'apprentissage de la langue, au fait qu'ils puissent accéder au travail dans de bonnes conditions. Ensuite, se rajoutant à ces difficultés-là, on a souhaité regarder plus spécifiquement des populations encore plus vulnérables, plus sujettes encore aux violences, que sont les femmes, les enfants et tout particulièrement les mineurs isolés, qui sont vraiment, on l'a vu dans les témoignages qui ont été ceux de cet avis, parfois dans des situations vraiment dramatiques. La première préconisation, elle est de nature européenne, au regard du règlement de Dublin, pour lequel tout le monde s'accorde à dire que ça ne fonctionne pas. C'est lié à ce qu'a proposé le Parlement européen, et le CESE soutient ce projet du Parlement, qui consiste à ne plus bloquer les gens dans un pays dans lequel ils n'ont pas d'intérêt à rester, et pour lequel, par exemple, ils n'ont pas de famille ou ils ne parlent pas la langue, mais à leur permettre d'émettre un choix et finalement de les orienter plus naturellement vers un pays qui va être naturel dans leur parcours. La deuxième préconisation phare du CESE, elle tend à changer le paradigme de l'accueil en France pour les demandeurs d'asile. En effet, elle va contre deux travers un petit peu aujourd'hui. Le premier, c'est peut-être l'absence de dialogue parfois entre les acteurs et le fait que la question des demandeurs d'asile repose sur un seul ministère, quand peut-être on pourrait préférer une approche davantage interministérielle de la question. Et aussi, elle permet l'accès aux droits des personnes dès qu'elles disent vouloir l'asile, et pas une fois que des démarches administratives sont faites, et donc après un délai qui se veut très souvent long. Enfin, la troisième série de préconisations, elle tend à faire le pari d'une approche globale de l'intégration, à ne pas voir les choses en silo, thématique par thématique, mais bien d'avoir une vision globale. On a vu des communes où ça s'est très bien passé, où les acteurs ont été impliqués, où les personnes ont eu des choix à faire, ont été acteurs de leur parcours, et on voit la différence que ça fait. Donc ça touche évidemment plusieurs pans de la vie, l'accès à la santé, l'accès bien évidemment à l'apprentissage de la langue, et ce, dès que les personnes demandent l'asile. Et puis, un autre sujet fort de notre avis, c'est l'accès à l'apprentissage ou au travail, aussi pour éviter que les personnes ne se retrouvent dans le marché noir et qu'elles soient finalement bloquées dans des situations qui ne sont pas souhaitables.